Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer un workflow complet du début à la fin dédié au end of life et à la sécurité sur une partie de notre stack qu'on utilise donc GitLab. Donc là ce que je vous montre c'est comme je suis en observation, donc ça je vais vous montrer. Voilà, donc moi ce qui se passe c'est que je regarde toutes les activités de End of Life. Donc du coup, je reçois des notifications. Et là, ce matin, je viens de recevoir celle dédiée à GitLab, l'arrivée de 15.9. Donc je vais voir de quoi il s'agit. Donc la 15.9 est sortie. Je vais aller accuser réception. Je vais aller voir un peu à quoi ça ressemble, la 15.9. Donc là, j'utilise mon outil préféré, EOL. Et je vais demander les détails sur GitLab. Donc là, je vois qu'on a ceci. Voilà, donc nous, on est déjà en février et c'est bientôt avril. Or, la 15.9, donc là, on va être beaucoup mieux. Donc en fait, l'idée, c'est de savoir un petit peu qu'est-ce que ça donne la 15.9. Donc nous, on la déploie pour l'instant avec des paquets, mais on a pour projet évidemment de faire tourner la partie dockerisée. Donc ce que j'ai voulu trouver, c'était les images Docker de la Community Edition. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est que si je vais sur le site officiel, dans son état actuel, à cet instant précis, je n'ai pas les URL des images Docker en fait. Donc il va falloir que j'aille chercher sur Docker Hub, GitLab. Et là, donc je vais tomber sur GitLab CE, donc Community Edition. Donc voilà, elle est là l'image. Et une autre, la Enterprise Edition. Donc ça me demande un peu plus de travail. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à ce qu'on ajoute ces ressources-là pour expliquer un peu ce que c'est. Donc là, par exemple, on voit dans la merge request que il y a deux éditions, donc l'édition Enterprise, l'édition Community, et je mets les ressources vers les images Docker avec le nom de l'image Docker. Voilà. Donc ça c'est pour améliorer le site. Donc j'espère que ce sera mergé, que ce sera modéré de manière favorable. Ce qui va se passer, c'est que également, comme j'en ai parlé plus tôt, donc voilà, ça j'en ai plus besoin, en interne, on a une repo avec tout un processus où on regarde notre stack, on log tous les éléments de notre stack. Donc là, par exemple, si je cherche qu'est-ce qu'on a fait sur GitLab. Donc j'ai le ticket que j'ai fait ce jour. Et mais également, dans les tickets fermés, je peux voir qu'effectivement, on a ajouté GitLab. Et comment ça se matérialise d'ajouter GitLab? Eh bien, c'est de la data. Donc je vais sur ma stack. Et je cherche GitLab. Voilà. Donc ça, GitLab, c'est la clé de End of Life. Ce qui fait que je peux la prendre. Et si je tape ça, bon, automatiquement, j'ai la réponse. Voilà. Ensuite, j'ai le nom pour les êtres humains. Et ensuite, j'ai des labels, puisqu'après, on fera de la consolidation de données pour savoir qui utilise. Donc là, en l'occurrence, ce sont les devs et les ops. Les devs dans les activités de développement des logiciels spécifiques, de script, d'automatisation, et les ops ben, pour maintenir également le code source qu'ils utilisent pour faire la partie ops, Ansible, Tower, toutes ces choses-là. Donc là, aujourd'hui, moi, ce qui va m'intéresser, ça va être la partie sécurité, end of life et ce genre de choses, et montrer l'outillage qu'on a autour de ça. Donc je vais me positionner dans le cas où on va travailler sur des images Docker pour voir la partie vulnérabilité et end of life et pour chaque version et également tout le tooling qu'il y a autour. Parce que maintenant on commence à être très bien équipé à ce niveau-là. Tout est open source, tout est en ligne de commande
Et via quelques contributions ou des projets open source, on peut avoir des reportings très poussés et très efficaces. Donc là, pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais aller regarder la partie community, puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Donc je vais repartir sur Google pour l'instant, Docker Hub, et puis CE avec un peu de peau. Oui, voilà. On y est. Maintenant, je sais qu'en interne, on est sur cette version. Voilà. Donc, comment est-ce que ça se répercute? Donc, 15.8.3. Donc, je vais aller voir. Donc là, déjà, au passage, on voit sortir la 15.9. qui a été sorti très récemment et qu'on voit arriver aujourd'hui. Donc ça, c'est pour la petite histoire. 15.8.3.CE0. Donc ça ressemble bien à ce qu'on veut. Voilà. Donc je vais documenter mon issue puisque elle est en cours. Donc là, un petit au passage, donc c'est une activité de type run. Je suis en train de faire une activité d'audit et c'est lié à la sécurité. Donc voilà, ça c'est le nom de l'image. Et puis tant que j'y suis, je vais mettre au chaud l'autre, la toute dernière, celle-ci. Voilà. Comme ça, j'ai mes images. Donc on a celle-ci. Celle-ci. Donc maintenant, ce qu'on a, c'est qu'on va commencer à aller scanner les images. Donc pour commencer, on va utiliser l'outil Gripe. Donc pour rappel, il y a pas mal de sujets hein, sur la chose, je vous mettrai les liens en commentaire. Mais Gripe, c'est un outil de scan de vulnérabilité maintenu par Anchor et qui est utilisable en ligne de commande. Donc c'est très facile à utiliser, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, ce que je vais faire, ça va être ça. Ah oui, c'est ça. Ok. Et voilà. Donc on va commencer par celle qu'on a aujourd'hui. Hop. Je prends le nom de mon image et je vais demander à Gripe de la scanner. Donc là, on va à un moment donné, on va télécharger l'image. Donc là, ça va être la partie longue parce que plus l'image est grosse, évidemment, plus on met de temps à télécharger l'image. Donc moi, je l'avais téléchargé au préalable. Donc cette étape-là est plus rapide. Mais vous verrez tout à l'heure, quand on va télécharger l'image toute récente, là, ça va être une autre paire de manches. Donc là, je vais essayer de vous le faire en temps réel. Je vais mettre en pause, sinon ça va vraiment prendre du temps. Donc là, le scan est terminé. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a différentes catégories et qu'il y en a énormément. Vous pouvez voir, hein, c'est vraiment énorme. Donc il y a du low, il y a du high. Vous voyez, ça c'est la sévérité. On a le nom de la CVE. On a également d'où vient la vulnérabilité.
Donc là, par exemple, des gemmes, donc on sait que c'est du rubis, il y a aussi du go, il y a aussi du Linux. On a le nom de la brique en question, donc là, c'est la partie Active Record de Ruby. Ça, c'est la partie Linux. La partie Go, on a aussi du JS, du NPM. Et il y en a beaucoup de critical. Qu'est-ce qu'on a comme autre type? Ah oui, on a aussi de l'Elasticsearch. Donc là, pour info, hein, l'image, elle fait 1,2 giga. Hein, donc, c'est un gros bébé. Ensuite, on a du Git. Ah oui, logique. Donc vous voyez que c'est. Et après, il y a le dev spécifique, les gemmes développés par GitLab. On peut tout inspecter. C'est vraiment super intéressant. Mais comme vous pouvez voir, c'est vraiment très très gros. Ah, aussi, on a aussi la partie Java qui est embarquée. Ça, c'est intéressant aussi. On a aussi du Kotlin. Donc là, on voit hein, que c'est vraiment multicouche, qu'il y a énormément de choses. On a du SSH. Ah, ben on a aussi du Perl. Et du PHP. Ben oui, là, on est gâté. Beaucoup de PHP. Et aussi du Python. Du Redis, du Ruby, ça c'est logique. Ah, ben on a aussi. Rust, Scala, Swift, oh, ça c'est. Voilà, et la Zlib. Bon. Donc on voit que c'est très gros et que comme ça c'est difficilement exploitable. Je pense que là on est assez d'accord pour dire ça. Mais fort heureusement, on a des contributions pour utiliser la sortie de Gripe. Donc pour faire ça, parce que là le but moi c'est que je fasse un report. Donc il me faut des données qui soient partageables et facilement utilisables. Donc là, on a la repo grepcontribs qui permet d'utiliser de manière optimale les ressources de sortie fournies en sortie par Gripe. Donc là, un tout premier exemple d'utilisation. Et c'est ce qu'on va essayer de, on va faire ça en direct, en live. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on exporte le nom de l'image. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure, en suivant la doc. Et en sortie, on va avoir quelque chose d'un peu plus humain à exploiter parce que là la quantité est telle sur cette image là on va voir que c'est plutôt compact sur Nginx mais sur GitLab c'est une toute autre paire de manches. Donc là on va pouvoir faire de la data science derrière du reporting. Donc là c'est le scan normal de Gripe, jusque là rien de neuf. Et la contrib ça va être de générer ça. Donc on va passer à la suite. Donc je reviens, pardon, ici. Et puis je vais cloner la repo. Voilà. On va faire un peu le ménage. Alors, est-ce que ça marche? Ok. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc, on a le fichier dead, on a les fichiers template, puisqu'en fait on utilise des Go template, et puis un répertoire de travail. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre la doc maintenant. Donc, moi j'ai déjà installé Gripe. Ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mes scripts. Alors, donc là, oups, on va
commencer par celle-là. Et ensuite, donc on a plusieurs possibilités. On peut faire du HTML et on peut faire du CSV. Donc, la commande, ça va être grep. Je vais quand même vous montrer que je respecte la doc. Faire simple. Grep dollar image. D'accord? Grep dollar image. Et ensuite, je viens sur la partie des tricks GQ. GQ, c'est un outil super puissant. Et grâce à la sortie JSON de Gripe, on peut faire des choses très puissantes. Donc là, il y a une contribution qui a été effectuée. Et ce qu'on va avoir en sortie, ça va être le nom de la CVE, la sévérité et plein d'autres ressources super intéressantes. Donc là, je prends ça et je viens le coller ici. Et en sortie, si tout va bien. Continue mon tuto. Je devrais avoir un CSV. Donc après, j'ai plus qu'à le rediriger. Vers un fichier, par exemple. Donc là, c'est groupé par sévérité. On le fera après, déjà que le fichier est assez gros à compiler. Donc voilà, je vais faire ça. Et je vais l'appeler comme ça. Sauf que c'est un point CSV. Alors on va voir ce que ça donne. Ok. J'exporte. Et ensuite. Je génère. Là, j'ai foiré ma commande. Je sais pas ce qu'il me fait. Allez, c'est parti. Pendant ce temps, je vais commenter mon issue. Et je vais préparer le boulot pour les ops. Et puis, si ça marche. Je vais commenter mon shell. Et puis, je vais aussi voilà, parce que ça c'est super pratique aussi. Donc là, ça reprend du temps comme tout à l'heure. Donc là, je le peaufine bien parce qu'après, ça va être un document de travail. C'est du travail de sécurité. Donc je vais faire ça. Là, c'est pas la peine. Écrire. Où est-ce qu'on en est?
Ça va pas tarder. Il a fini. On va voir ce que ça donne. Ah oui. Ah, c'est moi. J'ai donné un nom pas génial. Je vais corriger le script tout de suite. Ça sera mieux. Ouais, c'est là que j'ai loupé mon coup. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire du ménage. Voilà. Et je vais reprendre le script pour être sûr qu'il marche bien du premier coup. C'est reparti. D'embellissement. Là, le but, c'est vraiment de préparer des ressources pour que la prochaine fois, ben, ce soit super facile à utiliser et qu'on n'ait plus qu'à reprendre la doc en fait. Non, je pense qu'il va pas tarder. On va faire, c'est qu'on va quand même regarder ça. On va bien vérifier qu'il s'appelle bien comme je voulais. Ça. Et puis, on va faire ça. Et puis on va compter le nombre de lignes. Ouais, ça mouline. Hein. Ça y est. Donc là, hein. Ah oui, au passage, je vais zoomer, mais. Il faut le voir quand même, hein, c'est important. Donc 2736 package, paquets et 1704 vulnérabilités. Mais bon, quand on a dit ça, on a tout dit, on n'a rien dit, puisqu'on ne connaît pas leur distribution, on ne connaît pas leur nature, on ne connaît pas leur criticité, on ne connaît pas leur nom. Voilà. Mais enfin bon, déjà, ça donne une petite enveloppe, une petite idée de ce qu'on a. Alors, je vais reprendre le script que je suis en train de préparer. Donc, est-ce que le fichier est là? Est-ce qu'il s'appelle comme je l'espérais? Ok, il est là. Et combien il a de lignes? Ah ouais, voilà. 1654 lignes. Ben voilà, donc là c'est mission accomplie. Ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller le regarder ben, avec une spreadsheet, voir à quoi ça ressemble. Puisque là le boulot est fini, hein. On peut aller jeter un œil depuis ici. Voilà. Donc le CSV il est super clean, hein, il est très facile à utiliser. Voyez. Donc ça c'est vraiment cool. Et je crois que j'ai pas un truc qui s'appelle CSV Tools ou je sais plus. Bon là en tout cas vous voyez que le CSV il est vraiment propre. Donc on peut changer dans une presse, on peut faire plein de choses. Et là pour moi, bah déjà c'est bien, c'est mission accomplie pour la première image. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va faire la partie agrégat, puisque là, donc c'est dans mon home, et je crois que j'ai fait ça dans grep.contribs. Voilà, donc le fichier est là.
Donc c'est des virgules. Voilà, c'est un CSV qui est vraiment bien clean. Le voilà. Donc après, bon, c'est à vous de voir hein, pour le tuner. Alors maintenant, on va passer à la partie, puisqu'ils disent que on peut faire. Donc ça, on n'en a plus besoin. Ils disent que on peut faire des group by juste avec cette requête. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va documenter ça. On est ici. Alors le début de la commande est exactement le même. C'est celui-là. Donc c'est du shell. Non, je vais le mettre là. Oh puis non, je vais le sortir. Je vais le sortir, je vais faire ça. Comme ça. Et je vais prendre le script. Je vais prendre cette partie-là. Ça, je l'ai en double. Et je vais reprendre le même fichier que précédemment, mais nommé un petit peu différemment. Voilà. Donc là, j'ai renommé le fichier. Bon, on va tester. On a ça. À quoi ça ressemble? Ok. C'est parti. Ah. Petite surprise. Donc ah oui, il y a une coquille. Il y a une coquille. Ici. Ça vaut le coup d'investir un peu de temps à ce stade-là parce que après les autres collaborateurs, ils vont pouvoir le faire par eux-mêmes. Ou l'automatiser même. Voilà, c'est parti. Donc là, par un système de pipe, et grâce à GQ, on va préparer un agrégat directement utilisable. Donc on repasse toujours par les mêmes étapes, on change l'image, on parse, on génère et puis après ça s'enchaîne. Voilà. Donc apparemment ça c'est bien fini. Donc là on voit qu'il y a la partie agrég hein, qui est beaucoup plus petite évidemment. Et on va aller voir ce que ça donne. Donc le agrég il est là. Donc c'est un CSV pareil, hein, son comma separated, comme ça on fait des bonnes pratiques. Bon déjà là on voit qu'il y a les deux champs, il y a deux sens critical, 726 high. Donc on va l'ouvrir.
Et là, alors moi je suis pas un pro du Excel, mais là on voit qu'on peut faire des Jupiter Notebook, enfin on peut faire plein de choses. Et là déjà, de manière très simple, ce qu'on va faire, bah oui, voilà, on va faire quelque chose comme ça, ou peut-être plutôt non, un camembert. Ouais. Qu'est-ce que ça donne comme ça? Oh non, c'est moche. Voilà. Donc là, je fais next. Finish. C'est bon, ça suffit. Voilà. Donc là, on a notre premier résultat. Ce qu'on va faire, c'est que ben, je vais mettre toutes ces données ici. Donc je vais rajouter les ressources. Voilà. Donc je vais mettre ça, ça. En fait, je vais faire un commentaire spécial pour... Je vais être plus précis, je vais mettre export CSV. Ça ressemble. Ok. Donc c'est cool. Ce que je vais faire, c'est que pour gagner encore plus de temps à ceux qui vont découvrir l'issue, je vais en dropper ce visuel. Je vais le mettre ici. Ça commence à être pas mal. Là, on commence à être bien. Donc là, on a parlé des vulnérabilités. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais faire. Ah bah oui, tiens. Je vais l'enregistrer aussi. Et je vais voir si je le réouvre normalement. Il a dû me mettre le camembert dedans. Ah non, il ne l'a pas enregistré. Ok, ouais, c'est normal, c'est pas un fichier Word. Ok. Donc, ce que je disais, c'est que là, on a fait les sévérités. C'est la vocation de Gripe, hein. Help, je crois. Ah oui. Voilà. Donc. Bon, Gripe, c'est une commande super, c'est un outil vraiment super puissant et on peut scanner plein de choses. Des images, là c'est ce que je vous ai montré, mais on peut aussi scanner des file systems ou des SBOM. Là vraiment, ce qui nous intéresse, c'était uniquement ça. Donc on a les vulnérabilités, mais ce qu'on aimerait bien avoir, c'est les end of life qui sont embarqués dans l'image ou comment est faite l'image, mais avec le point de vue end of life. Donc là aujourd'hui, la end of life de GitLab, c'est ça. Mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans et on voudrait connaître un peu plus en introspectant l'image, les différentes couches de l'image, savoir les end of life de chaque morceau. Et bien pour ça, il y a un outil qui ressemble un petit peu. Donc ce que je vous disais, c'est qu'on voulait l'équivalent de EOL. Donc EOL, c'est lui. Donc EOL, c'est ça, c'est l'outil que je vous montre. Mais avec la partie conteneur. Donc pour ça, il y a un outil, et en fait, ça s'appelle XEOL. Le voilà.
Donc son nom, il dit tout, hein. Donc c'est End of Life Package Scanner for Container Image System and SBOM. Donc vous voyez qu'on est dans le même univers que Gripe et EOL, donc ces trois outils se complètent et font appel les uns aux autres. Donc on va les regarder. Je vais passer ici. Donc je vais rajouter une section Export CSV. Et maintenant, bon, traditionnellement. Traditionnellement, c'est le symbole du sablier. Et on va regarder. Voilà. C'est ça qu'on va faire. Donc, avec XEOL. Hop. Donc, en même temps, vous voyez, je fais la doc. Hein. Il n'y a pas de souci, quoi. XEOL. Et puis, mon image n'a pas changé. Donc, je prends. Je regarde un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Je reviens ici. Et on va voir ce qui se passe. Donc là, vous reconnaissez à peu près les mêmes étapes. Donc là, on charge la base de données des End of Life. Donc ça, il passe par l'API. Ensuite, il passe à la partie image. Ensuite, on parse. Donc là, vous reconnaissez, parce qu'en fait, dessous, il fait appel à. Ah oui, je vais vous montrer ça. C'est super intéressant. Donc, XEOL. Dans les pull requests, vous voyez qu'il y a Sift. Et Sift. Vous allez voir. C'est vraiment intéressant à voir tout cet écosystème. Sift, c'est une dépendance de. Voilà. C'est une dépendance de Gripe. Mais si vous allez regarder Sift. Sift. Sift, c'est la sous-couche de Gripe. Et toujours développée par Anchor. Voilà. Donc, vous voyez que tous ces outils sont vraiment connectés les uns aux autres. En bas, on a Sift. Au-dessus, on a Gripe. Ensuite, on a XEOL qui utilise Gripe, enfin, qui utilise Sift et qui se connecte à l'API de End of Life. Et donc, grâce à tout cet écosystème. Ah, ben là, on n'a pas de pot. Ça tombe à l'eau. On n'a pas de End of Life found là-dessus. Je vais quand même vous démontrer ce qui se serait passé avec un autre paquet qu'on utilise, une autre image qu'on utilise beaucoup, Nginx. Donc Nginx, les tests. Je vais voir pourquoi on n'a pas de données. Ah bah oui. J'ai fait une coquille. Pas de pot. Je vais en trouver une autre. Peut-être Graal VM. Essayer ça.
Ah. Bon, bah, je crois que ça va s'arrêter là pour Xéol. C'est dommage, je pense que je vais aller quand même regarder la doc. On va bien trouver une image juste pour voir le concept. Qui est vraiment super intéressant. Ah bon, on va faire Mongo. Ou Postgre. Ah, on va essayer Postgre. Ah oui, voilà. Postgre, Docker Hub. Et après, on fera Mongo. On va jouer la sécurité. Mais d'abord, notre base favorite. Je vais essayer juste Postgre. Qu'on est reparti. Alors, est-ce qu'on va avoir un peu plus de chance? Eh ben, on va partir sur Mongo 2.3.2. C'est pas très gros, hein, 33 mégas. Et voilà. Donc là, sur cette version-là, on voit qu'on a la end of life ici. Donc c'est vraiment super pratique. Et il explique par où il est passé. Il est passé par Debian. Alors, je vais quand même faire une tentative. Une ultime tentative. Parce que franchement, c'est vraiment cool. Postgre, c'est quoi la dernière version? Ah ben, je suis bête. Donc, je vais avoir la dernière version. Donc c'est la 15.2. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire Xéol 15.2. Ah, elle est pas vieille la 15.2. Alors par contre, ce qu'on peut faire, on va rester sur Mongo. On va juste relancer. Voilà, ce qu'on va faire. Zut. MongoDB. Ok. Donc, tout à l'heure, on a fait Mongo 3.2. Et donc, on voit qu'on est ici. Et donc, on voit bien qu'il y a matching. Donc, la end of life, c'est le 31 juillet 2018. Et on est bien là. Donc là, on n'est pas bon. L'image, on voit bien. Alors, juste en regardant l'image, on sait qu'on n'est pas bon. Imaginons qu'on ait fait des efforts et maintenant on est en 6.0. Je prends la version. Donc on voit que on est vraiment en matching exact. Et là, on va retaper le téléchargement de l'image. C'est quand même génial d'avoir ces outils à portée de main et de pouvoir les connecter les uns aux autres comme ça. C'est vraiment, vraiment génial. On est presque. Donc on voit qu'en 3.2, on avait 112 packages dans l'image Docker. Et en 6.0, on va voir avec le temps ce qui s'est passé.
Ça aussi, c'est amusant parce qu'on peut suivre. C'est vraiment super intéressant. Ah ben là, on n'en a pas trouvé. C'est pas de peau. Bon, en tout cas, vous avez compris le principe. Tout est là. Et vous voyez, donc. Hop, donc. Je vais quand même me poser des questions pour Ixéol, pour Postgre. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour l'avoir? Là aussi, hein. All activity, et ça fait partie de ma stack. Voilà. Ce projet aussi, Guide Contribs, super intéressant, extrêmement pratique, comme vous avez pu le voir. Pas besoin de beaucoup de connaissances pour pouvoir l'utiliser. Hop. Donc, ça, on a fait la démo en live. Donc ça, je vais retravailler la partie end of life ici. Mais là, d'ores et déjà, comme vous avez pu le voir, en direct et en live, j'ai un premier report vraiment complet. Et puis, quand même pour le plaisir, ce que je vais faire pour finir bien propre, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir celui-là. Ok. Je vais régénérer le chart. Ok. Ouais, non, ça, c'est moins bien. Ok. Donc je fais ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire save as. Et je vais le sortir en ODF. Okay. Et puis ce que je vais faire aussi, encore plus simple, c'est save as. C'est de sortir ça en PDF, ça serait bien. Ouais. Donc moi je fais pas beaucoup d'office et ça se voit. File, save. Ah, voilà. Ok. Bon, ben voilà. Mission accomplie. Et puis, je vais rajouter ça au rapport. Donc lui, j'en ai plus besoin. Je vais continuer l'édition et le rajouter. Alors, l'ODS et le PDF. Donc, la plupart des collègues Ops sont sur Linux. Alors là, j'ai merdé l'attachement des fichiers. Voilà. Donc la plupart des admins sont sur Linux. Et donc le fait de disposer de ces ressources qui sont vraiment portables, du CSV, du PDF, de l'OpenOffice, c'est super facile à embarquer. Et puis s'il y a des data scientists, ils peuvent faire des Jupyter Notebook, des trucs comme ça, des rapports. Faire des agrégats, faire tout ce qu'ils veulent, mais déjà là ça fait un beau jeu de départ. Voilà, ça s'arrête là, je ferai un article dédié avec toutes les ressources utilisées, tous les liens, mais et éventuellement aussi ces scripts que j'ai mis tous au même endroit. Donc tout ça, n'oubliez pas que si vous voulez suivre l'actualité, il y a la page officielle. Il y a aussi le compte Twitter à suivre. Il est là. Et à mon sens, si vraiment vous voulez vraiment être affûté sur le domaine des end of life, venez ici.
et souscrivez aux news, watchez les issues ou les pull requests, et puis après, peut-être qu'un jour, vous participerez. Voilà, ça clôt la démo du jour, et merci pour votre attention, et puis si vous avez des feedbacks, n'hésitez pas. Au revoir.